What's up les amis? J'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur la chaîne Poképièce 108 et on est en compagnie d'Emilie. Bonsoir Emilie. Salut à tous. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une exclusivité totale les amis, parce que grâce à Emilie qui a parcouru pas mal de kilomètres de Grenoble à Bourgoin-Jallieu en somme pour nous dégoter cette magnifique Poképoîte, non? Elite Trainer Box destinée au culte, voilà. Donc les amis, mon dieu. Elle envoie, en plus, dedans il y a 10 boosters destinés au culte, donc elle est pas rien. Donc écoutez, les amis, allez, on est parti. On va. Parce que bon, quand même, cette satisfaction d'ouvrir cette. Vas-y, oh, fais-toi plaisir. Voilà, donc écoutez, les amis, on essayera de poursuivre sur la lancée où on est pour choper un peu tous ces trucs. Bah, si on pouvait se faire un booster de Mew, mais sauf que cette fois on met Drac au feu, voilà, ça m'arrangerait. Alors, comment ça se présente? Déjà, nous avons le petit carton, hein. Vous connaissez un peu le truc comme ça, où dedans, justement, à l'intérieur, il y a les illustrations de la série, les amis. Ah, ça, je sais où ça va finir. Et voilà. Ça... Dans la chambre de qui ça va finir. Voilà. Ah. Trop triste. Ensuite, nous avons du coup le petit guide de la... Coup, enfin, le petit guide. Il y a toutes les... Il y a toutes les cartes, logiquement. Parce qu'effectivement, là, donc là, on a la série destinée au culte, que tout le monde un peu s'en fout, mais après, voilà ce qu'on a, les amis. On a toutes les shiny. Regardez-moi ces... Ouh là là, on va faire des bêtises. Hein. Oh, regardez-vous. Eh oui, magnifique. Ah, il y a tout. Hein, c'est... Et oui, voilà, et voilà. Et encore là, c'est la page des foulards après, voilà. Donc les amis, on est là, comme vous savez, pour s'amuser. Donc déjà, comment se présente Elite Trainer Box? Allons-y. Alors, devant, nous avons... Putain, elle est tellement belle. Elle est magnifique. Elle est vraiment belle. Voilà, donc Sulfura, Articodin et Elector. Ensuite, de ce côté-là, nous avons du coup le nom de la série Destinée au culte, voilà. En français, en plus, là, pas comme sur les Pokébox, où c'est marqué Iron Fate. Pareil. Derrière, ça se présente de la même manière, et de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Donc du coup, les amis... Mon dieu. Qu'est-ce que nous avons dedans? Eh bien, nous avons des cartons. C'était une blague. Parce que, en fait, là, on ne voit rien du tout, mais voilà comment ça se présente du coup à l'intérieur. Voilà. Eh bien, bon, on va commencer déjà par les protège-cartes. Voilà, pour commencer. Oh, sont... qu'est-ce qu'ils sont beaux, les amis. Je vais vous montrer les items un par un. Wow. Ça pente ça, c'est un sacré item, ouais. Je crois qu'il y en a 65 dedans. Donc 155, mais en tout cas, ça te fait des super protège-cartes, là, pour le coup. Bah, écoute, ouais. Voilà, c'est ça. Voilà, Made in China. Non, on n'aura pas vu. Ils sont magnifiques, les oiseaux, les amis. Made in France, hein. Voilà, exactement. Ensuite, dans nous avons... l'espèce de l'être humain. Nous avons le... Bon, le paquet, ce qui suffit en fait, ce qui suffit voilà, le prix boîte. De la Pokébox, c'est pas de la Pokébox, les trainer box c'est vraiment justifié par ça. Par les énergies. Ensuite, oh, non, non. Nous avons les amis. Oh, 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 qu'est-ce qu'elle est belle. C'est une full art en plus. Hein, oh si putain, vous demandez... mais qu'est-ce qu'elle est canon. Est-ce que tu veux que je te la sorte? Bon, on la sortira plus tard. Ok, ouais, voilà. Donc les amis, je vous laisse admirer cette beauté absolue. Donc Elector, Sulfura, Articodin, EGX... T'imagines si tu mets ça sur une belle bombe, du coup. Mais en plus, à mon avis, elle va valoir tellement cher aussi, parce que elle est magnifique en mode vitrail, c'est... C'est trop beau. Ah, les amis, cette carte, elle nous régale, là, je pense. On est tous d'accord, je pense, pour dire qu'elle est magnifique. Oh là là, exceptionnel. Après, nous avons, du coup, dans cette Elite Trainer Box, les 4 petits séparateurs de deck. Voilà, donc série de Destinée au culte, c'est-à-dire avec les 3 oiseaux, voilà, donc c'est très cool pour ceux qui jouent, enfin, c'est des petits objets en plus, c'est sympa. C'est sympa, ça fait plaisir. Ah, là par contre, on commence à... Alors, les petits jetons, voilà, GX et Squad, donc pour ceux qui jouent, c'est des petits marqueurs, vous connaissez un peu le délire. Et après, nous avons bien entendu aussi les dés de la série, donc là, orange. Avec le shiny. Oui, avec le symbole shiny, exactement ça, et du coup après t'as le gros dé, vraiment magnifique, voilà. Mm. Donc ça, c'est vraiment des beaux objets, mais on va pas se mentir, aujourd'hui on est là pour quelque chose d'un peu plus vite, parce que quand même des signes occultes, c'est bien d'en avoir, mais c'est bien aussi d'en avoir les amis, beaucoup, ça rend bien la caméra en plus. Ça hein. Rend bien. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc les amis... Bah, sans plus tarder, hein, on est parti pour les 10 boosters Destinée au culte de l'Elite Trainer Box, qui va être fantastique. Bon, allez, Emilie, quelle pioche on attend? Oh bah, de toute façon, la carte... voilà. La carte, la carte. On attend la carte. La carte, hein, le drac au feu, qui vaut extrêmement cher, mais qui est magnifique. Ou bien entendu, beaucoup de shiny. Beaucoup de shiny. Allez, on est parti du coup pour ce premier booster, avec les codes que je vous donnerai sûrement en fin de vidéo, parce que, voilà, allez, hop, c'est parti. Alors,
Ah, les énergies, mon dieu. Plus. Détermination d'Ondine, dame du centre Pokémon, on commence à lui connaître ses cartes, hein. Suggestion de Morgane, Mélofée, Ramolos le fantastique, le Magikarp, le Pikachu qui est juste sublime, Voltorb, entraînement de pierre, et c'est une holo reverse. Eh ben écoute, elle est pas dégueu. Elle est pas dégueu, et c'est une holographique reverse normalement, donc elle est pas mal du tout. Et derrière nous avons un monsieur mime en rare. Qui ne sert à rien du tout. Pierre. Voilà, qui... Pierre, ouais, Pierre c'est bien, c'est, voilà. C'est Pierre. Allez, second booster. Voilà. Faut bien les boosters un peu comme ça parce que sinon. Mais déchire mes boosters. Aïe, 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 aïe. Je fais des bêtises. Excuse-moi. C'est pas grave. Je me rattraperai. Ouais, ouais. Hop, allez. Le code 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et on est parti. Alors, par une énergie du coup psy, un reptincel, un level art qui est trop tout choupinou sur son petit balcon. Magnifique. Le choupinou. Vaillance de pierre, Salamèche, Ramolos. Psychoquack, Mélofée, Magikarp, Magmar en reverse, et où les amis, on a quelque chose, et c'est un gros doudou GX, voilà. Oui, Destiny Occulte, c'est le fameux gros doudou GX. Hein, voilà. La carte de voilà. La série. Bon, bah écoute, c'est, au moins c'est une GX, quoi. C'est, la chose est faite, quoi. C'est ça le. La chose est faite. Je suis même pas sûr moi-même de l'avoir, pour dire. Et... Attends, j'en ai un peu ouvert du Destiny Occulte. Massacre. Ah, les boosters se font massacrer. Hein. Là, vraiment plus aucun respect pour les pauvres boosters. Plus le temps pour les boosters. Allez, hop. 1, 2, 3, 4. 1, 2. On est reparti avec une énergie combat. Hop, le focus est fait. Exil de Giovanni. Vaillance de pierre. Piège de Koga. Donc, les cartes qu'on peut pas connaître. Le Ramolos qui est toujours fantastique. Mélofée. Smogo. Voltorb. J'aime bien cette carte. Osselet. C'est une énergie en reverse. J'adore ces cartes. Oui. On n'avait pas eu l'énergie haut dans. Si. Ouais, c'est mais ça. C'est le truc qui dit que t'as une shiny en moins, en somme. Et. Hospitalité d'Erika en rare. Donc, sur ses amis, bon, on va quand même la mettre pour le recap, peut-être cette énergie. Pour, ouais, voilà, on verra. Bah, restez peu... pour le recap pour savoir si cette carte aura sa place. Oui. Ah, attention, le booster Dracaufeu Shiny. Peut-être. Peut-être. Ah, c'est même Emily qui va vous l'ouvrir. Ouais. Celui-là, je veux pas l'abîmer. T'as peut-être envie de le garder un peu scellé quand même. Ah, en plus, je vais pas y arriver. Va-t-elle y arriver? That was the question. Oh bah écoute. Le moment où ça s'ouvre, ça s'ouvre. Bon, bah voilà. Hein. 3 ans plus tard, désolé pour cette attente. Hein. Mais ça. Il est bien écouté. C'est de l'ouverture. Hein. Attention, c'est Emily qui va nous choper un truc de fou. Attention. Alors, le code 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et on n'a pas du tout la même technique du 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ça voilà. Aussi, c'est drôle à avoir. Donc, moi, tout est à la fin. Avec. Donc, Smogo. Starry. Abo. Chenipan. Paras. L'énergie. Ah oui, donc ça me fait bizarre de l'avoir maintenant. Dame du centre Pokémon. Crisacier. Suggestion de Morgane. Analyse de Léo, ils m'ont dit. Et papillon, oh mon dieu. Cette dernière carte. Oh la tristesse. Bon, 5 boosters, on n'a rien de spécial. Maintenant les amis, ça tombe maintenant, hein, clairement. On arrête les bêtises. On est parti. Oh, juste le montre bien. Hop, les boosters, je te les mets de toute façon à côté. Parce que la dame va peut-être en faire des choses. Et on est reparti avec l'énergie fée. Arène d'argent, pas de pierre, le vénard, cravalanche. Chenipan, Paras, Psychoquack, Salamèche, Magica, et c'est... Waouh! Elle est belle. Elle est vraiment belle. C'est Piatros, du coup, Shiny, alternative de Lumière Interdite. Waouh! Cet effet de fou. Le plan en plus qu'elle n'a pas vu, du coup, en... Ouais, c'est, bah tu vois, ouais. C'est vachement, ouais. C'est vachement joli. Et derrière, maîtrise aquatique d'Ondine en holographique, les amis. Pas donc, dégueu. Ça, voilà, ça se rajoute bien, voilà. Donc, c'est des cartes qu'on ça retrouvera plaisir, au récapitulatif. Même. Ça fait toujours plaisir. Oh, c'est des belles cartes. Hein. Sympa, là, tu vois. Hein. C'est tout de suite les shiny. C'est... Mais en plus, il y en a vraiment beaucoup pour le coup. Ouais. Oh là là. Allez, espérons. Peut-être une full art, quand même. Ça serait vachement cool, en vrai. Ouais. C'est largement envisageable. Surtout, si vous voulez, vous pouvez aller voir mes ouvertures sur la chaîne où j'ai été justement extrêmement chanceux dans ces Pokébox. Hein. Notamment une où j'ai chopé 2 Mewtwo en un booster, un autre de plus. Voilà, tous les liens seront dans la description, voilà, si vous en voulez plus.
Voilà, pour Voltorb, Osselet, Ratcaillou, Evoli, Rondoudou, Papillusion en rare river, c'est dernière chance d'Auguste. Aïe, aïe, aïe. C'était la dernière chance. C'était la dernière chance. Les amis, il nous reste 4 boosters, ça va. En vrai, on est bien. Ça va, ça le fait. Ça le fait, ça le fait. On respire. Oh, ça, j'arrive à mieux les ouvrir. Là, ça. J'ai pris confiance avec le booster. Le booster m'a parlé, c'est bon. Tout va bien. Je en sais. Communication avec les boosters. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et je vais même faire comme toi quand tu le fais. Voilà. Du coup, avec un abo. Oh, j'avais même pas vu l'articodin derrière. Evoli. Ah oh, oui, il est magnifique l'articodin. Mais je m'étais déjà arrêté sur celle-là. Bah, dans d'autres vidéos. Enfin, parce qu'après, les cartes, tu les vois. Tu les vois, tu les enchaînes. Hop, Magmar, Canardichaud, Rondoudou, Voltorb en reverse. Waouh! Et pas mal pas du mal du tout, ouais. Giovanni en full art. Donc exil de Giovanni en full art. Elfouette, hein, ouais, c'est, je l'adore. Ouais. Donc ça, c'est de la carte. Ça, hein. C'est de la belle carte. Voilà. C'est en plus de la série, vraiment, du coup, Destiny Occult. Donc bravo. Très... Ça, c'est joli. Bonne pioche. Bonne pioche, quoi. Voilà. Une GX, une Shiny, une full art. Il reste 3 boosters. Tout est possible. On n'est ouais. Pas trop mal, est-ce quoi. Est-ce qu'on cumulerait pas les 3 en une carte? Voilà, c'est... En une seule carte, on peut le faire, les amis. On peut le faire. On y croit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, et on est à nouveau reparti. Le but de Destiny Occult, hein, c'est surtout de compléter, d'avoir des Shiny un maximum, parce que voilà, la série, on ne s'y arrête plus. Arène d'Argent à Exil de Giovanni. Qu'on vient d'avoir, du coup, hein. Hop, Salamèche, Magikarp, Ramolos, Mélofée, Smogo, Starry en reverse, et... Analyse de Léo en rare, voilà, c'est, ça c'est... Aïe, ça c'est le ça booster fait mal. Qui... C'est le booster qui te met pas extrêmement bien, on va pas... C'est le booster de la fin, ne nous n'y tenons pas. C'est pas pour ça qu'on veut être... C'est pas pour ça qu'on collectionne Destiny Occult. Hop, allez. 1, 2, 3, 10, 42. du coup... L'énergie. Le Insécateur. Reptincelle. Crisacier. Smogo. Osselet. Ratcaillou, Rondoudou, Starry, et c'est une alternative, et c'est... Waouh ! Bah super, du coup, bah t'as... Oui, y a les... Ouais, il y a les deux. Oh, trop bien, voilà, t'as la petite... Oh, magnifique. Cette carte... Mais franchement, les effets sont... Ouf, sont ah, j'adore, c'est trop bien. Et Ronflex en... Voilà. Deux petites shiny. Ouais, cette incroyable. Déception du truc, là, t'es le... Bon, bah, Ronflex. Bah, Ronflex, ouais. Les amis, c'est le dernier booster de cette ouverture. On y croit. La full art, quand même, en booster, c'est... Peut-être, enfin, la full art, du coup, shiny. Allez. Le code. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et on est parti. Allez, elle tombe maintenant. Au moins une shiny, quoi. Ouais. Allez, le Dracaufeu. Les amis, c'est le Dracaufeu. Hein, je l'annonce. C'est maintenant, et ça s'est passé sur cette chaîne, les amis. Tu finis avec la carte dégueulasse, toi. J'avoue, je serais trop déçu. Allez, on y croit. Mélofée, Rondoudou, oh, Chenifant, Paras, Psychoquack. Et on a quelque chose. Et on a le Garak. Et oui, c'est une full art check. Bien, wesh. La vache. Ah, bah du coup, voilà, la full art, elle tombe à la fin. Loup Garak GX, du coup, chromatique, de la série Gardien Ascendant. Ouais, il est sympa. Ouais, il est beau. C'est pas le Dracaufeu, je te l'accorde, mais voilà, moi, ouais, c'est... Il est beau. Et oui, la carte de derrière que... Oh, putain. Et... Ce dernier booster, il claque. Ça, c'est du booster. Ça rattrape certains boosters qu'on a pu avoir. Mais joli. T'es booster, pas de booster. Oui, ouais. Oh, bah, après, ça fait 3 chaînes et tout ça. Bon, écoutez, les amis, on se retrouve du coup tout de suite pour le récapitulatif. Et les amis, du coup, voilà, le petit grand récapitulatif du coup de cette ouverture, donc en 10 boosters, voilà, donc de l'Elite Trainer Box, Destiny Occult. Première, on a eu Gros Doudou GX, voilà, donc rien de trop fantastique, mais là, ça commence direct avec du coup un Sepiatop en, bah du coup, Shiny, qui est magnifique, hein, toi, même tu l'as tout de suite relevé, les effets sont incroyables, quoi, c'est exceptionnel. Après, du coup, incroyable, on a eu du coup son évolution. Et du coup, bah, du coup, c'est Sepiatros, Shiny, que je trouve mais fantastique aussi. Enfin, pour le coup, c'est pour en fait, c'est les deux, bien, c'est, voilà, ça se complète tout à fait bien. Après, nous avons eu l'Exil de Giovanni. Voilà, donc ça, c'est un peu là. Voilà. Toujours pas eu de, j'ai toujours pas tiré, mais j'ai trop vu de Jesse et James. Je dois t'avouer, j'ai beaucoup vu cette carte. Mais voilà, au moins tu l'as. Ça, c'est vachement cool. Hop. Et après, nous avons eu la carte en somme de l'ouverture, le Loup-Garok Shiny.
qui est vraiment pas dégueulasse pour le coup. Parce que les cartes, elles envoient tellement du lourd pour le coup. Mais là, mention spéciale, les amis, pour cette carte. Qui est la carte du coup promo de l'Elite Trainer Box. Ouais. Qui déchire. Quoi, que dans Trainer Box, tu voilà, vois. Uniquement dans Elite Trainer Box, sachant qu'elles sont, bah, elles vont être difficiles à se procurer. Même si nous, bon, voilà. C'est Ilaway qu'on les a réussi à les avoir un peu en exclusivité d'exclusivité, mais voilà. Voilà, je vous la montre bien, les amis, mais. Voilà, là. Si vous arrivez à vous procurer le genre de cartes, ben. Ça, c'est des cartes qu'il faut en somme dans les collections, quoi. Genre, c'est. Même dans mon décor, même si c'est du diamant et perles, tu vois, j'arriverai à la caser si je veux, tu vois. Mmh. C'est incroyable. Voilà, voilà. Et bien entendu, les amis, comme je vous l'avais dit, toujours un peu en fin de vidéo, c'est les codes, en plus des stimocules. Donc, bonne chance à vous, en espérant que cela vous porte chance. Voilà, je vous les donne. Et si vous voulez plus de Pokémon, je vous laisse vous abonner, bien entendu. Allez voir ma chaîne, tout simplement. Faites-vous plaisir, hein, en somme. C'est ça. Voilà. Soyez les bienvenus. Il y a aussi mon Instagram, voilà. Donc si vous voulez, faites-vous plaisir, bien entendu. Il y a toujours un peu des contenus exclusifs, genre mes bêtises Pokémon. Oh, il y a vraiment beaucoup de codes, hein, pour le coup. Hop. Bah, 11, du coup. Et le coffret. Et, bien entendu, le dernier. Ils vont l'avoir. Magnifique, voilà. Allez, à très très vite. Peace. Magnifique.